Ok Léo, ben merci pour cette démo. Merci à toi. Attends. De m'avoir reçu. Je refais, on refait parce que j'ai fait. Bonjour chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai Léo qui est venu me voir avec plein d'accessoires à mettre sur un pick-up. Je pense que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Ben, on va regarder tout ça juste après le générique. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder Léo qui nous représente donc deux sociétés aujourd'hui. C'est quoi les sociétés que tu représentes, Léo ? Outback Import et Rocalu. Outback Import et Rocalu. Je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller voir leur chaîne YouTube et Instagram et ainsi que leur site. Ils font plein d'accessoires pour le outdoor, pour les Raptors, pour les Rangers tout court. Et comme ça, vous pouvez aller faire des bivouacs avec de jolis accessoires, comme la tonnelle là, qui est formidable. Et d'autres choses aussi à l'intérieur. Je vais passer la main à Léo, comme ça, il va nous montrer tout ça. Ok Léo, très bien, c'est de commencer par le genre de hardtop où vous avez des rails latéraux. Ouais, des rails donc, latéraux. Donc voilà, la particularité de ce hardtop, c'est les rails latéraux. C'est ce qui va permettre de s'affranchir de tout ce qui est barre de toit ou galerie pour pouvoir venir fixer des équipements. On va voir, ouais, parce que tu m'as montré avec la pelle. Donc de l'autre côté, voilà, on a fixé une pelle. Là, on peut mettre des plaques de désensablage, on peut fixer des échelles, des jerrycans, un peu ce qu'on veut. Donc là au-dessus on a fixé une tente de toit et on a mis le auvent également dessus. Donc pas besoin de barre de toit, on a seulement mis des fixations qui viennent supporter voilà, les équipements. Directement sur ce hardtop là. Exactement, oui, oui. Avec des fixations prévues pour chaque élément. D'accord. On a également pour le auvent Rocalu des fixations adaptées pour les barres Rhinorack ou galeries Rhinorack. Donc l'adaptation est super simple. Donc le hardtop, tout en aluminium, il fait 70 kg, donc il est super léger. Toute la quincaillerie est en inox. Donc la particularité de ça, c'est l'évolution 2. L'évolution 1, on n'avait pas les rails et on n'avait pas les fermetures à loquer. Donc là, la particularité, c'est qu'on peut rajouter un cadenas en plus de la fermeture à clé. Donc au niveau de la sécurité, c'est top. Donc quand tu fermes comme ça. Exactement. Là tu mets le cadenas. Là on met le cadenas. Et on est tranquille. On est tranquille. Donc voilà, ouverture super simple. Donc pour la fixation du hardtop, très simple, on vient se fixer sur les points d'ancrage du véhicule. Donc il n'y a pas besoin de percer, c'est super simple. L'installation, il faut compter à peu près 4 heures. Ok. À l'intérieur, on y retrouve le tiroir Rocalu. Voilà, avec l'évier. La planche pour faire la cuisine. Ici, on y retrouve le plan de travail pour venir faire sa cuisine. Donc voilà pour le tiroir, très simple, une petite sécurité sur le côté. Ensuite, on a le slide fridge ici. On vient sortir ici. Le même système qu'en bas. Donc sur glissière inclinable, disponible en plusieurs volumes, congélateur, réfrigérateur. L'utilisation est super simple. Tu le branches où ? C'est super léger, on le branche sur du 12 volts ou sur du 220, ici, juste ici là, sur la prise allume-cigare. Ici, on vient fermer avec la petite sécurité. Donc ensuite, on va passer au auvent, donc le auvent Rocalu. Auvent 450, en ce moment, c'est le best-seller, c'est ce qu'on vend le plus. Donc l'utilisation est super simple. Il faut compter à peu près une minute trente. Donc on vient déployer. Donc, avec les sangles, on va venir fixer le auvent derrière. Sur les œillets ici directement. Et pareil pour l'avant. On vient fixer la sangle ici. Thank you.
ranger, c'est super simple. Donc là, pour le ranger, on vient fixer les barres. Derrière, on a les petites sangles qu'il faut sortir. Ici, on vient renrouler directement la bâche. On vient mettre les scratchs. Et on n'a plus qu'à fermer la housse. Donc voilà le auvent, super simple d'utilisation. Il pèse 32 kg. Pour le fixer, donc c'est 3 points de fixation. C'est super simple. C'est à peu près une trentaine de minutes, je dirais. On a également une option sur le auvent, ce sont les parois. Les parois, donc on peut fermer le auvent avec des parois qui rentrent dans ce type de sac. Ok, merci Léo pour cette démo. Merci à toi. Bah écoute, avec plaisir, moi ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses, surtout sur le Raptor comme ça, qui est un véhicule un petit peu atypique, on va pas se cacher, ou même les Rangers. Je vois que les gens vont pouvoir se faire plaisir. En tout cas, la tonnelle, j'ai trouvé ça génial. Le frigo, c'est formidable. Et de toute façon, on leur met tous les liens dans la description. On verra si le patron fait un code promo exceptionnel. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, d'aller voir ce qu'ils font et de vous abonner. Et nous, on vous dit merci. Ciao, ciao. Ciao.